N'hésitez pas à liker la vidéo s'il vous plaît. Si vous venez de découvrir Afrique Sport, et bien n'oubliez pas de vous abonner en activant la petite cloche pour ne rater aucune info sportive. C'est parti. À une certaine période, Manchester United possédait l'un des meilleurs duos en attaque. Rooney et Cristiano Ronaldo étaient impitoyables en Première Ligue. Les deux attaquants se retrouvaient yeux fermés et ont été le cauchemar de tous les défenseurs de l'époque. Né pour réaliser de très grandes choses, Cristiano Ronaldo a rejoint le Real Madrid pour continuer l'écriture de sa page d'histoire. Cependant, le quintuple ballon d'or lusitanien n'est pas le meilleur coéquipier de Wayne Rooney. Interrogé par Podcast United, l'ex-international anglais a plutôt désigné son compatriote Paul Scholes comme le meilleur coéquipier qu'il ait eu au cours de sa carrière. Rooney le considère comme le meilleur malgré le statut de Ronaldo qui est toujours au sommet du sport roi actuellement. Scholes, je pense, de toute évidence. Ronaldo a continué sa carrière. Messi et lui sont probablement les deux meilleurs joueurs de l'histoire, mais je pense qu'à l'époque, Scholes était génial et c'est à ce jour le meilleur joueur avec lequel j'ai joué. Il pouvait faire beaucoup de choses avec le ballon. Il faisait de la magie avec le ballon et n'était manifestement pas le plus rapide, mais il était si vif que vous ne pouviez pas l'approcher. Je me souviens avoir su qu'à la fin de ma carrière, je retournerai au milieu de terrain. Et là, c'est lui que j'ai suivi. Je le suivais à l'entraînement et au match, partout. C'était génial pour moi de le regarder et d'apprendre de lui, a déclaré Rooney au Podcast United. À un moment de sa carrière, Rooney a détesté Cristiano Ronaldo. Nous sommes le 1er juillet 2006 à Gelsenkirchen, alors que se déroule l'un des quatre quarts de finale de la Coupe du Monde entre deux nations européennes, à savoir l'Angleterre et le Portugal. Dans un match terne avec peu d'occasions de but, arrive cette 62e minute. Une minute où Wayne Rooney, l'attaquant anglais, est auteur d'une semelle sur Ricardo Carvalho. Le verdict tombe, les Anglais finiront le match à 10. L'ancien joueur d'Everton sort alors dépité, surtout que son coéquipier de l'époque, à Manchester United, Cristiano Ronaldo, a fait pression sur l'arbitre pour que Rooney se fasse exclure. Pour le Times, le recordman de buts avec les Three Lions décrit ce moment qu'il considère comme le pire de sa carrière. C'était une réaction à l'arbitre Horacio Elizondo, qui ne m'a pas donné un coup franc. Il y avait faute claire. Ricardo Carvalho me tirait et me poussait, et Petit est venu de l'autre côté. L'arbitre n'a rien fait et j'ai posé mon pied sur Carvalho. Je savais que c'était un carton rouge, et retour au vestiaire. J'ai regardé le reste du match sur une petite télé en pensant « Si nous gagnons ce match, je suis suspendu pour une demi-finale et une finale de Coupe du Monde, et si nous perdons, c'est de ma faute. » C'était le pire et le plus étrange sentiment que j'ai eu dans le football. Après cette anecdote, il s'est confié sur le ressenti éprouvé alors que Cristiano Ronaldo a tout fait pour l'exclure. Quand Cristiano a couru vers Elizondo pour me faire expulser, je l'ai repoussé. À ce moment, je ne pouvais pas croire ce qu'il faisait. Mais m'asseoir dans ce vestiaire m'a donné le temps de me calmer et de réfléchir. Pour rappel, les Portugais finiront par triompher des Anglais au tir au but, 0-0, 3-1, avant de perdre en demi-finale contre l'équipe de France. Alors, la question du jour, Rooney et Cristiano Ronaldo ont joué combien de saisons ensemble à Manchester United? Donnez la bonne réponse en commentaire. Le résultat sera mentionné dans l'une de nos vidéos de demain.